c'est le papa de tous les pailladins, quoi. Il a tout créé. Et... il n'y aurait pas la paillade. Hein. Voilà. Il n'y aurait pas de club, il n'y aurait pas de titre. Hein. Cette raison pourquoi tous les samedis soirs on est là. Ça va être très dur, je pense, pour beaucoup de monde, moi la première. Ah non, celle-là, non, cette année, elle a, malheureusement, elle nous laisse tous orphelins. Il fait partie des personnes, des hommes, qu'on n'a jamais, on n'a pas l'impression qu'un jour ils partiront. Et pour moi, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que je vais le voir demain. Soit pour le ballon, ou même pour le travail, pour tout, pour ma vie, moi. Je lui dois plus que le foot, donc je lui dois beaucoup. J'espère que de là-haut, il va nous pousser un peu. Surtout que les joueurs s'arrachent au terrain et nous en tribune. Ça va faire drôle parce que c'est quand même c'était un sacré personnage. Moi, je collectionne tout ce qui est de lui, tout. Pour moi, ça a été quelqu'un d'extraordinaire. Une personne qu'on rencontre peut-être qu'une seule fois dans sa vie, quoi. Bah, c'était vraiment un personnage, une grande gueule, enfin un personnage comme je les aime, c'est tout. Qui te prend aux tripes, qui te laisse pas indifférente. Je pense que je mettrai un bout de temps avant de me rendre compte qu'il n'est plus là. Le destin a voulu qu'il s'en aille trop tôt et voilà, quoi. Maintenant il va falloir faire sans lui, mais j'espère que les joueurs auront à cœur ce soir de l'honorer comme il le mérite. Ça va être un très bel hommage, je pense. Je pense que ça va être un très bel hommage. Bon, c'est un hommage, bien sûr. Hommage bon, à la personne, mais bon, au revoir, non. Je pense que bon, on sera toujours dans la mémoire collective. J'espère que la paillade perdurera et que de là où il est, il sera toujours aussi fier de voir que son fils a tracé le même chemin que lui. Ben, ouais, c'est le premier match officiel après son décès, donc on se devait de faire un bel hommage. Donc on va faire quelque chose de grand. Un énorme tifo, on a eu 7 heures de mise en place entre hier et aujourd'hui. Et quasiment 10 jours de travail entre le traçage et la peinture. Donc je voudrais remercier vraiment tous ceux qui ont participé à cette animation, parce qu'il y en a beaucoup qui ont passé leur journée de vacances à peindre sous le soleil, sous le cagnard, même pour la mise en place, là, c'était assez rude. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui ont participé, bravo, voilà, pour Lolo et pour nous. Oui, un seul nom dans les cœurs ce soir à Lameçon, Loulou. C'est la première saison que Montpellier va démarrer sans son président emblématique. Club formé démarré en 1974, initié par Loulou. Et du coup, cette nouvelle saison sans Loulou, évidemment, il va être dans les esprits ce soir et dans le dos des joueurs montpelliérains avec un maillot hommage pour l'occasion. Tout de noir, short noir, chaussettes noires et donc maillot noir avec les Loulou marqués sur les maillots de tous les joueurs, des hommages. Vous l'avez compris, c'est un match très particulier ce soir pour les Montpelliérains, pour les supporters pailladins contre Caen. Il va falloir aussi du coup se sortir un petit peu les tripes et comme l'a dit Michel Darzakarian, Michel Mézi déclarait « Loulou aimait pas qu'on soit triste, il fallait qu'on rigole, qu'il y ait de la vie ». Par rapport au monde de Clia, je pense que c'est le cas. Il n'y a pas besoin de voir plus. Quand il y a le monde qui vient, je pense que tout le monde l'aimait et tout le monde sera content de voir tout ce qu'il a fait. Même s'il n'est plus là, on voit que l'esprit perdure. Terre de la vie, de la niaque, comme l'aimait Loulou, qui va donc, vous l'avez compris, hanter tous les esprits ce soir et ça devrait être une magnifique fête. Et puis... je suis de Perpignan et je viens exprès. Je suis en vacances, je viens quand même pour le match. C'est un match à pas manquer aussi. Ah ben, obligatoirement, hein, quand on est abonné depuis. Depuis des années, quand on suit le club depuis gamin, c'était le jour à ne pas manquer pour rendre hommage au président. Ça va être quelque chose de très, très émouvant, je pense, déjà en début de match et puis après... Elle n'a pas connu, mais je vais l'expliquer au début du match. Je vais l'expliquer. C'est Nicolas, c'est notre président, c'est le sang, il a tout fait pour nous. La passion, l'enthousiasme, tout ce qu'il a donné, il a donné sa vie pour le club. Et puis les coups de gueule, c'est un homme entier. Oh, je sais pas, la branlette espagnole, elle est rigolote aussi. Ah, je l'achète tous les ans, mais cette année, il a vraiment une valeur particulière, émotionnelle.
Parce que c'est pour Loulou, c'est l'hommage à Loulou. Un souvenir quand il monte avec la crête au moment où on est champion de France. Quand il y avait la crête orange et bleu, c'est un souvenir inoubliable, franchement. Moi j'avais 12 ans et c'est la création du club. Je l'ai connu avec Pierre Gasset et toute l'équipe qu'il y avait, Mézi, tout ça. Il a tout fait pour nous, c'est lui qui a créé le club, il nous a tout fait. Je ne l'ai pas connu beaucoup, mais on sait tous qu'il est mort en héros. C'est Nicolas, il restera tous dans notre cœur. On espère que les joueurs se transcender et donner quelque chose, rendre quelque chose à ce que Loulou a donné au club et leur a donné de manière indirecte. Oui, bien sûr, avec les recrues qu'il y a, et il faut y croire, et je pense qu'il y a un potentiel. Loulou que Neymar. On préfère virer Neymar et garder Loulou, mais malheureusement, c'est pas possible. Quand on aura tout le monde, je pense que ça peut faire une bonne... J'espère une meilleure saison que l'année dernière, mais je pense qu'il peut faire une bonne saison, ouais. Allez Loulou! Small town, nothing's what it seems. Drive all night to escape my broken dreams. Television flickers like a flame. I'm hurting and there's no one else to blame. I should have listened to what my daddy said. Darling, keep fighting those demons in your head. Sure, I was pretty reckless and wild. My makeup covers all the countless tears I've cried. Ashes to ashes and dust to dust. In this town, there's no one to trust. Rags to riches and burn your bridges. Oh, hey!
On l'a fait pour Loulou, c'est bien. Belle victoire, ça. Merci. Yes! Je vois le sourire. Allez, allez. Bon, je vous félicite parce que c'était une journée particulière et c'était pas facile pour tout le monde, ni pour vous, ni pour moi. Donc je vous remercie de la journée, de la victoire. Je vais être un peu plus souvent avec vous, là j'étais parti un peu en vacances, donc je vais un peu vous casser les couilles, je vais être là un peu avec vous. Mais je vous félicite pour la victoire. Zigzag, 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 zigzag. Allez, 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 allez